informé les diplomates et membres des organismes internationaux accrédités en Côte d'Ivoire sur les enjeux du recensement actuellement en cours. C'est ce à quoi s'est employé le ministre Albert Mabry-Touakos. Enjeu qui concerne essentiellement le développement du pays, c'est-à-dire disposer de données à jour pour une meilleure planification, pour une meilleure programmation des actions et pour l'évaluation de tout ce que nous avons en cours. Invité à soutenir et accompagner le recensement général de la population de l'habitat, diplomates et membres d'organismes internationaux en Côte d'Ivoire se sont montrés favorables à cette action. Comme vous le savez, donc, notre chef de file est le FUNIAP qui apporte son appui donc à ce processus. Ce qui est important de relever, c'est que c'est une opération technique qui est essentielle pour donc, tout ce qui est planification, programmation, d'assistance des partenaires au développement. Et donc, par conséquent, on est amené donc à apporter un appui à ce processus. Et je tiens à féliciter le gouvernement ivoirien pour cette opération et je souhaiterais qu'elle se déroule dans de très bonnes conditions afin de permettre aux autorités de planifier le développement. Je tiens à exprimer notre total appui au gouvernement ivoirien de bien remplir leur devoir, de bien mener ce recensement. Menée depuis le début de semaine, la campagne de sensibilisation devrait permettre l'adhésion de tous et des populations notamment au recensement général de la population de l'habitat 2014.